Salut tout le monde, c'est KingGaming, j'espère que vous allez bien, car moi ça va super bien. On se retrouve sur Submerged. Alors cette fois-ci je vais faire un let's play. Je commence un peu tôt parce que le jeu il sort dans 2 jours, le 4 août 2015. Il sera disponible sur Steam. Alors c'est genre, c'est aventure, exploration. On se retourne dans une ville mystérieuse, ils disent. On joue à la troisième personne. Et voilà, développeur et l'éditeur, c'est Hypercute Games. Taille LT. DD, c'est pas... Franchement, je sais pas comment on dit exactement. Et puis voilà, bah on va se tester tout ça, on va voir un peu, j'espère que ça sera un bon jeu. Au pire des cas, si vraiment je le trouve nul, et bah ça sera pas un let's play, ça sera une petite vidéo découverte à la fin de ces 20 ou 30 premières minutes. Allez, go! J'ai pas du tout joué. J'espère que j'ai bien réglé le son. Ah, déjà l'eau elle est bien faite quand même. Ça fait classe quand même. À ce que j'ai compris, c'est son frère qu'elle a dans les mains. Plus dans les mêmes couleurs de cheveux. Ok, le jeu il est sous-titré français, il n'est pas. C'est pas français. Et que l'anglais où il y a le son. Pour moi, il est en italien, allemand, espagnol. Et il est malade le petit. Comme son nom l'indique, hein, submergé. Il y a de l'eau de partout, quoi. Ah, tiens, on va le poser ici. Jouer avec la manette 361. Oulala, il a une entaille de malade là sur le thorax. Au niveau du ventre, ça va pas trop bien mon pote hein. Il me faut quelque chose pour arrêter le saignement de Taku. Alors, notre histoire. Histoire de la ville, créature, monument. D'accord. Comment je fais moi pour arrêter le sang? Que je fasse quoi là? Rien à faire ici. Maintenant j'ai remarqué les jeux, de plus en plus on te dit pas du tout du tout du tout ce qu'il faut que tu fasses. T'arrives et démerde-toi mon pote. Ça va, c'est joli l'univers.
Bizarre, ça a pas de me montrer le bouquin comme s'il y avait un truc à faire là-dedans. Je peux pas grimper, je peux rien faire du tout là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Vite, faut que je cherche un pansement, je vais monter au sommet de cette colline. C'est pas un monument. La colline! Peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant là-haut. Il y a un peu de chance. Poussez-vous les oiseaux! Oulala. Là là. J'aime bien, on n'entendait plus. Ok. Ah, je vois, je pourrais redescendre un peu plus rapidement. Bah alors, est-ce qu'il y a un truc pour soigner mon frérot? Ah. Ouais, c'était quoi, une sorte de robot? Ouais, bah ça a l'air d'être bien grand tout ça. Je descends 2 secondes. En fait, faut que je soigne mon petit frère, mais peut-être que c'est pas tout de suite que ça se fait. Que je retourne, je peux retourner au bateau, peut-être. Mais avec moi, il attend de claquer, moi je vous le dis. Ah, on va prendre le bateau. Moi, je crois qu'on a soigné son frère tout de suite, en fait, non. Ah bah tiens, elle veut qu'on aille là-bas. Je vais ramener jusqu'à ce bâtiment et l'escalader. D'accord. Il Speedy Gonzales, le bateau. Il est maniable, un truc de fou. Ce qui me surprend, c'est que pour l'instant, on connaît rien du tout de la ville, on sait pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, regardez là-bas. À gauche. Vous voyez pas là sur le toit? Qu'est-ce que c'est que ça là? Allez, on grimpe, hein. Oh, ça va, je suis déjà arrivé. Ah, il y a un truc qui brille. En fait, c'est vraiment pour remplir l'histoire. Alors, j'ai la carte.
D'accord, je peux pas bouger. Alors, la maison, des provisions, provisions récupérées, secret amélioration de la baraque. De la baraque. De la barque. Oh putain, qu'est-ce que je suis con. Oh, mais en vrai, je vais faire des vidéos. Je monte deux bâtiments et ça y est, j'ai fait une vidéo, non? Oh, le soleil là, c'est joli, hein. Le jeu est à fond, précise. Je pourrais pas m'accrocher à ce tissu là? Non. On va remonter par là. Et ben voilà. Trouver des soins. Ok, j'ai trouvé les soins pour déjà faire un pansement au frérot. Beau gosse, on l'a soigné. Ok. Est-ce que non, je peux pas cliquer sur les images. Pas rien faire du tout en fait. D'accord, c'est juste imagier. Je dois trouver plus de caisses comme celle-ci. Ah bah attends. Donc, calme-toi hein. Ça y est, en fait, je suis libre. Bon, j'ai vu qu'il y avait des. Pas forcément des gentils. Trouver plus de caisses alors. Ah, ça c'est marrant ça. Alors, ça c'était ce bâtiment de tout à l'heure. D'accord, je peux trouver des objets grâce à mon télescope. Une sorte de jumelle, quoi. Où je pourrais bien aller? Je viens de grimper sur un. Ah, ça veut pas y aller. Ok, d'accord, c'était. Ouais. J'ai pas ce qu'il faut. Et y a un truc qui brille là-bas. Tiens, on va aller là-bas. Nouvelle image. Tac tac bang bang. Bon. En fait c'est tout ici. Ah la carte. Oh merde. Et on va partir de là.
À ce que je vois, ça a d'être vraiment grand. Le petit point vert là. Il y a plein de trucs qui brillent sur ce bâtiment. On va s'arrêter à celui-là. C'est super beau que les effets de lumière la nuit. Moi, je me suis attaqué à un gros truc. Ah! Il y a quelqu'un. Je sais pas ce qu'ils peuvent nous faire, je sais pas s'ils peuvent nous tuer ou pas. Ah, s'il est plus là, c'est vraiment... Il nous... Ah, il montait d'un étage. Il m'espionne. Va te calmer, tu vas te m'espionner, moi je te le dis. En plus, franchement, il a une drôle de gueule, hein. Je sais pas s'il est au courant. Là, j'ai peur qu'il me tombe dessus. Ah, j'ai trouvé notre caisse. Ça, ça fait plaisir. Le feu. Ah, je vais pouvoir faire du feu. Oh. Ah non, mais à chaque fois que t'as fini un truc, ça te téléporte. Parce qu'ils ont pas fait un chemin pour que tu puisses descendre super vite. Il me regarde là. Ah, il a une... Wouah! Ce truc. Passe à travers mon corps. M'en fous, j'ai fait le feu. Eh ben... C'est un jeu vraiment calme, hein. C'est posé, quoi. C'est de l'exploration, en vrai, tu fais dans le sens que tu veux, tu fais vraiment comme t'as envie. Le but, c'est vraiment de soigner à la base, à la fin, c'est vraiment faire ton frère, il a la classe, mais... Maintenant, il veut que je trouve quelque chose à boire. Mais d'ici, est-ce qu'on voit quelque chose? Si on voit rien. Ah, j'ai trouvé une caisse. Quelque chose que je peux utiliser. Bah ouais, je pense. Le mieux, tout à l'heure j'ai oublié, quand je suis monté en haut, j'aurais dû regarder un peu partout. J'avais un joli point de vue. Mais vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que ça fait 20 minutes la vidéo. En plus, vu que c'est un jeu calme, vaut mieux pas en regarder beaucoup. On verra la suite. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Submerged, pour ce petit let's play. Laissez un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.